cette fois elle dit rien, parce qu'elle dit rien parce que ça se passe bien. On doit boire, on va peut-être pas boire, on va pouvoir partir. Donc la dernière fois nous étions partis en fait. Ah oui, il y a ça aussi à récupérer. Nous étions partis. Oh putain, je vois rien. Ah. Ok, cool. on a trouvé la sortie de la grotte. Nous étions partis en aventure pour aller trouver l'élan, donc on l'a trouvé. On lui a mis une flèche. Le truc qui s'est pris une seule flèche, il est mort. Donc voilà. On a dû monter de niveau aussi au passage. Enfin, on doit être proche des... Hey ! Bientôt niveau 5, c'est cool. On va pouvoir tirer quand on est accroupi et tout. Ça va être dément, ça va être super. Donc ça se passe très bien, on a la fourrure. Et on a récupéré pas mal de steaks aussi. Bon, on aurait dû peut-être les mettre par terre quand on a dormi, parce que maintenant ils ont un peu baissé en pourcentage, mais c'est pas très grave. Faudra aussi qu'on fasse de cuire des choses, parce que je voudrais bien avoir le niveau 5. Bon, ça arrivera avec le temps, mais bon, c'est bête qu'on n'ait pas de livre. On va partir. Donc on est extrêmement lourd. On est extrêmement lourd. La dernière fois, je m'étais arrêté en fait ici. Parce que j'avais envie en fait d'avoir un peu une petite aventure, le coup de repartir en fait. Parce que quand on va rentrer à la maison, on va passer notre temps pas faire grand chose honnêtement. Je vais être honnête, on va pas faire grand chose à la maison. Ce qui va se passer, c'est que je pense aller pêcher, mais il nous faudrait du bois. Enfin, je sais pas. Là, on a tué 3 loups. On a tué 3 loups. Je vois un loup ici. Ah, peut-être un deuxième là. Ça fait 2 loups. Vraiment chiant d'être aussi loin quand même. C'est pas grave. Bon bref. Une fois qu'on va rentrer, on va laisser la peau sécher. Donc ça va nous prendre encore... je crois que c'est 10 jours. Ouais, je crois que c'est 10 jours. Donc ça va nous prendre encore 10 jours. C'est quoi ça? Il va nous aggro, lui. Il va nous aggro. Il y a encore des champignons là. Ouais. Il va nous aggro. On prend du temps. On a un deuxième là. Ok, lui il a eu peur. Ah, on peut peut-être passer comme ça. Ah, ben voilà, c'est le chemin en fait qu'il faut prendre. Alors, je pense qu'on va lui mettre une flèche maintenant, vu que le chemin est dégagé. Ou alors on attend qu'il nous fonce dessus. Ou alors on pose un steak. Je sais pas trop. Ah oui, il faut passer par là. Il est lent. Il est aussi lent que nous. Ce qui est un peu comique. Il nous fonce toujours pas dessus, ça va. Donc dans tous les cas, oui, voilà. On a 10 jours à attendre pour la peau. Et après, on va faire donc notre sac. Donc on va gagner les 5 kilos. Donc ça, c'est bien. Et ce que je voudrais aussi... Est-ce que tu peux tracer comme ça, Mimo? Attends,
On va passer par là, je crois qu'on est bon. On est bon. Je sais pas s'il va passer. C'est marrant, hein. Il ne fonce pas vraiment dessus. Là j'ai un peu peur du poids par contre. Pitié, 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 pitié. Ok, c'est bon. Là, il arrive à nous suivre. Il arrive à nous suivre. On va peut-être y arriver, on va peut-être sortir sans qu'il nous... sans problème, hein. M'étonnerait quand même, mais bon, bref. Voilà, une fois qu'on aura le sac, on ira vadrouiller un peu plus. On ira vadrouiller un tout petit peu plus, donc ça, ça va être bien. On ira, donc comme j'ai dit, on ira à la zone là-bas, c'est le chemin de fer, je sais pas quoi, un truc comme ça. Il faut suivre les rails, et en fait, c'est à l'autre bout, le bout des rails. Donc on ira là-bas. C'est un cul-de-sac, enfin, non, c'était un cul-de-sac avant. C'était un cul-de-sac avant. Maintenant, il y a une partie qui mène à Milton, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah là, par contre, il va nous rattraper, je pense. Honnêtement, ce serait un bon endroit pour lui mettre une flèche. Mais j'ai pas trop envie de tenter le truc. Ouais, non, c'est pas grave, on va continuer à avancer comme ça. Ça fait un peu con, même. On devrait lui mettre une flèche. Donc, ouais, ce serait pas... On pourrait aller à Milton, après. Par la zone. Par contre, je la connais pas, en fait, la zone. Pour aller à Milton. Pas comment on passe. Je connais juste pour Milton, je suis toujours passé par le lac mystère. Donc le lac mystère, c'est pas très compliqué. Il faut prendre, par contre, il faut prendre deux cornes. En tout. C'est pas très compliqué, les zones, elles sont assez courtes. Donc on arrive assez vite à la ville de Milton direct. Mais ouais, il faut prendre quand même deux cornes, qui peut être un petit problème. Mais voilà. On aurait dû allumer une torche. Pourquoi il aboie? Il est là. Attends-moi! On aurait dû peut-être allumer une torche, ça qu'il a froid maintenant. Voilà quoi dire. Sinon, à part ça, bah, pas grand chose. Pas grand chose. Mais une fois qu'on aura le sac, ça va nous changer un peu la vie. Parce que c'est vrai que là, on peut pas sprinter, par exemple. On est à 40... On est en dessous des 45. Donc on est à 43, 42, un truc comme ça. Et si on avait le sac... Parce que si on est à 30, 35, on peut encore courir. 36, on peut aussi encore sprinter. Oui, c'est parce qu'on dépasse les 40 kilos. C'est pour ça qu'on peut pas sprinter. Donc si on avait le sac avec nous, si on portait le sac, on pourrait sprinter. Parce que ça rajoute 5 kilos, donc du coup, ça serait 45 kilos. À partir de 45 kilos, on pourrait pas sprinter. Donc ça aiderait, ça aiderait. Et après, c'est vrai que maintenant, là, on récupère quand même pas mal de gros morceaux de viande. Ils font 1080 de calories. C'est possible. Quoique, non, ça servira à rien. Non, ça servira à rien. Parce qu'on doit attendre de faire le sac. Donc il faut attendre encore 10 jours, puis après il faut le crafter. Je crois que le craft est quand même assez court.
Je trop timide, hein, parce que... Je crois que le craft c'est une douzaine d'heures, c'est pas plus. Là si jamais je bande l'arc, là, ils nous font dessus par contre. J'ai un peu peur du froid. Ça me perd quand même beaucoup de vie là. Du froid. On va vérifier notre métabolisme quand on sera sur la prochaine zone. Quand on sera au lac Mystère. Ta-ta-da. Et aussi, on va avoir les peaux de cerf qui vont être prêtes. Donc, on va pouvoir faire notre deuxième pantalon. En théorie, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir porter deux pantalons pour ça. Il n'y a pas de problème. Il nous a lâchés, je crois. Donc du coup, ça va nous aider aussi pour la chaleur. Il va falloir tout récupérer, la vie qu'on perd, il va falloir la récupérer à un moment ou à un autre. Il va falloir un peu dormir et tout ça. Et du coup, pendant que je passe les jours, on pourrait faire des épisodes, honnêtement. On est à 40%, ça va. Attention. On a 40%, ça passe. Après, tant que c'est pas de la gelure, ça passe. Là, ça serait de l'hypothermie. Si on tombe malade pour l'hypothermie, je crois que c'est comme avoir un rhume. Enfin, dans le jeu, hein, pour le traduire hein, vite fait. Ça serait comme un rhume, je crois qu'on est très fatigué, on fatigue beaucoup plus vite. Merde, je crois qu'il y a un loup sur la gauche, sur les rails. On fatigue beaucoup plus vite, et notre endurance est pas au maximum non plus. C'est bien, un loup fait chier. Ou c'est un caillou, parce que ça bouge pas. Un loup ou un caillou, ça? Non, c'est un caillou, ça bouge pas. Donc c'est pas extrêmement grave. Mais ça reste embêtant. Ça reste embêtant. Mais bon, là on est chez nous, donc tout va bien. Alors on va récupérer les collets tant qu'on y est. C'est que ça fait quand même pas mal de vie. Hein, quand même. C'est pour ça que je voulais me goinfrer de viande de... d'élan avant de partir. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un aller-retour. Hein. Aller récupérer plus de viande et faire un aller-retour. Parce que c'est vrai que le chemin est pas très très compliqué. Maintenant, on le connaît bien. Et on n'aura pas la peau à prendre. Ça peut être une solution. Je vais être honnête, ça peut être une solution. Faire ça. Ah, on va peut-être le faire. On va voir. On va dormir un peu. On va voir comment cet épisode se déroule. On va dormir un peu parce qu'il faut qu'on récupère de la vie. Si on est bien et qu'il fait un temps là, genre un peu beau, tout ça, pas trop froid, on y retourne. On va récupérer les. On récupère les morceaux de viande. Ça nous aidera. Mais ça va être bien. Honnêtement, une fois qu'on aura le sac, on va pouvoir... On va aller se balader un peu partout. On va aller se balader un peu partout.
Il y avait un loup, hein, il nous a... Il nous a senti, mais il a eu peur du vêtement. Donc ça c'est bien. Pour la crique lugubre, on n'y retournera pas de sitôt hein, pour le moment. On ira... Enfin, je pense qu'on a vu quand même déjà pas mal de la zone. Honnêtement, au final, on est resté assez longtemps. Donc on a vu pas mal de la zone. Donc ça sert à rien d'y retourner genre maintenant. Et par contre, il faut qu'on... Si vous vous rappelez, il y avait un code à récupérer. Donc il faut qu'on récupère ce code pour rentrer dans la... je sais pas, dans l'établi ou un truc. Je pense que c'est là où on fait les munitions. Donc même si nous, personnellement, on va pas vraiment faire de munitions parce qu'on n'a pas d'arme à feu, ça servira à rien. On va peut-être quand même ramener du matériel juste pour voir si on peut en faire. Enfin après, on n'a pas les douilles et je pense qu'on va pas trouver de douilles. On a de la poudre et tout ça. Le plomb... il nous faudrait une batterie. La batterie elle était à l'autoroute côtière. On pourrait aller la prendre. Maintenant on a l'acier à métaux donc on peut récupérer le plomb. Mais ouais. Ouais non on va pas pouvoir faire de balles. On va pouvoir faire de la poudre à canon et tout ça. Et, mais il faut les douilles. Les douilles je crois pas qu'on va en trouver en intrus. Rien de... On rentre. On fait voir un peu dans quel état on est. On est à 73%. Ça prend, ça a mis du temps hein, quand même. Ça a mis du temps. Est-ce que nos vêtements ont souffert un peu? Normalement pas trop. Non, ça va. On est encore bien. Peau de cerf séchée. Faudrait voir si. Non, ça c'est oui, cerf. 92%. Donc il faut encore qu'on attende un peu. Ah oui, par contre il faut de l'eau. Je sais qu'on est dans le noir. Mais je connais un peu maintenant les emplacements. Hop. Hop. Très bien. On va dormir le temps de se réchauffer, récupérer un tout petit peu de vie et que le soleil se lève. Et on va voir ce qu'on fait. Ah oui, il faut poser la peau, j'avais oublié. J'allais oublier. Voilà, très bien. Hop, on sprint un peu pour la fatiguer. Sprinter, c'est quand même un bon moyen de se fatiguer. C'est un très très bon moyen de se fatiguer. Voilà. Elle va pas dormir 10 heures. On va pas du tout dormir 10 heures. Voilà, on est déjà debout. Ouais, il va falloir Avant de repartir, il va falloir qu'on fasse fasse attention à notre vie. Donc 95%, c'est 5 jours. Il va rester encore quelques heures quand même. Là, pareil. Après, on a les boyaux séchés, c'est très bien. On a de l'eau encore. Par contre, on n'a pas de... On n'a pas de bois. Donc faudrait aller récupérer du bois. On va aller récupérer du bois, on va voir un peu. Alors on va peut-être se faire le loup qui traîne. Hein, parce que je dois avouer que lui il est un peu chiant. Le loup qui traîne sur le chemin. J'avoue qu'il est un peu relou. Lui. On va juste placer ça. C'est ça. J'entends des corbeaux. C'est pas froid en plus. J'aimerais bien qu'on ait des entrepôts pour viande au lieu de les mettre par terre comme ça. En plus, le truc, il faudrait les mettre sur la neige, mais bon. Je les mettrai plus tard. Voilà. On a quand même pas mal de viande. Hein. On a quand même pas mal de viande. C'est cool.
Enfin bref, on est là à trouver du bois. Mais comme j'ai dit, oui, il faudrait... faudrait qu'on fasse quelque chose avec ce loup là. Celui commence à m'emmerder par contre. Il commence à m'emmerder lui. Oh, un petit. On a des collets. On a deux collets. On peut aller les placer à la cabane du trappeur. On peut utiliser ce rocher là pour faire le loup. Ouais, je sais pas où il doit être au fond. Ouais, ok, on va regarder pour du bois. On va regarder pour du bois. Je sais pas si on peut casser un tronc là. Enfin, une bûche. Je sais pas si on peut le faire. Ok. Moins 7. Elle est complètement épuisée, c'est bien. Et on va commencer à tanguer. Parce qu'on n'a pas de vie. Parce qu'on n'a pas de vie. C'est vraiment une... on a un peu forcé la main. On a un peu forcé la main. C'est pas vraiment une très bonne solution pour ça. C'est pas grave. Vous avez vu que quand elle parle... Ah, il est là, lui. Quand elle parle, et la traduction, la phrase, c'est pas bon, en fait. Si j'ai bien compris, elle dit « I wonder if I can drop any of this gear ». Donc, en gros, ça veut dire « Je me demande si je peux pas poser quelque chose de mon équipement, en gros ». C'est ça, en fait, l'idée de sa phrase. Quoique non, l'autre, oui, la phrase, c'est genre faire l'intrigue. Non, oui, non, on va dire que ça va, ça passe. Ça passe comme traduction. Faut pas tout le temps m'écouter. Hein. Faut vraiment pas tout le temps m'écouter. Voilà, très bien. Je dis des bêtises des fois. Je dis des bêtises. Ok. Donc on va manger. Là, on va avoir un problème avec notre vie. Si on continue à baisser, on va commencer à tanguer, on sera au bord de la mort. Donc il faut vraiment qu'on... Je vais voir si on peut pas crafter, parce que je voudrais bien dormir la nuit, en fait. 97%, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, vraiment? Bon, là, on n'a rien à faire en fait. Je voudrais bien juste passer le temps que ça se finisse, mais je crois que... On peut lire. On peut lire à la limite. Genre une heure. Il va falloir faire attention à notre vie, ouais. Donc on va sûrement manger pas mal de... Enfin, je vais rester dans le positif pendant un moment. 98, ouais, il doit manquer encore quelques heures. Comme ça, on commence notre craft. Avec ce livre, on va arriver au niveau 5, hein, assez vite. C'est vraiment cool. 99%. Ah, très bien. On va vraiment arriver à notre niveau 5, hein, grâce à ce livre. C'est vraiment sympa. On a de l'eau de côté, on a... On a les tisanes, comme ça. On a de la viande. Donc, merde, c'est pas fini. T'es sérieux, c'est pas fini? Bah mince alors. C'est embêtant ça. On va encore lire. Ouais, on va manger. On va manger. On va commencer notre craft de
du pantalon, mais ça, on va pas pouvoir le finir. Enfin, on va même pas pouvoir travailler beaucoup, énormément. Je veux juste la fatiguer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Mais du coup, on va pas faire grand-chose, en fait, dans cet épisode. Honnêtement. Ah oui, et pendant le gros break, là, où c'est que j'ai fait que crafter, je suis tombé malade encore en mangeant de la viande. J'ai eu une intoxication. Enfin, pas des parasites, hein, mais une intoxication. Donc ça va, c'était pas trop grave, mais c'était comique, quoi. Pantalon, pot de serre, 4 boyaux. 1, 2, 3, 4. Il va falloir qu'on commence aussi à récupérer des boyaux, quand même. Je crois que le sac a pas besoin. Ah, 2. Mais ça va, on en a 2, ça va, c'est bon. Voilà, on en a 2. On a plein de kits de couture, donc on va faire que utiliser des kits de couture pour faire les vêtements. Comme ça, ça va vite. J'espère qu'il va pas avoir le mal de l'enfermement, par contre. Ça sera un peu débile. Après, j'avoue que le coup de l'igloo, ça marche bien avec le mal de l'enfermement. J'ai dormi énormément de fois, en fait. Bon, maintenant, il doit être cassé. Donc, il faudrait le démanteler. On peut pas le réparer. Ça, c'est un peu bête. On peut pas le réparer s'il est détruit. Ça, c'est un peu comme tout dans le jeu, on va dire. Du coup, en fait, il faut le maintenir. Mais chaque jour, en fait, il perd des pourcents. Donc, il faudrait tout le temps le maintenir. Mais le problème, bon, c'est pas les bouts de bois, c'est le tissu. Après un certain pourcentage, il lui faut du tissu, en fait. Et là ça devient un problème, quoi. Là, ça devient un gros problème à chaque fois de trouver du tissu. Donc, on peut pas vraiment garder un igloo tout le temps. Ça, c'est un peu emmerdant, je trouve. Ce serait été vraiment bien. Mais sinon, voilà, alterner entre maison, igloo, tout ça, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment bien. Et surtout que maintenant, on a des bons vêtements, donc dans l'igloo, on est tranquille. Par contre, il fait pas jour. Elle est en pleine forme. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on casserait pas cette flèche? Vous rappelez le coup des plumes et tout ça? Ça pourrait être une solution. On va voir dehors un peu le temps qu'il fait. Pour éviter qu'elle se casse, comme ça, on récupère 3 plumes au lieu de 2. Ah, il fait froid. Ah oui, il y a le faitout qu'on avait récupéré. On peut le remettre, du coup. On a ça. Ouais, les 10 minutes, on peut les passer, ça va. Ouais, normalement, on n'aurait pas pu les passer sans ces vêtements. Donc ça aide quand même pas mal. Elle est fatiguée. Ah, c'est emmerdant là le coup. Je crois qu'il va falloir attendre. Ça prend, on a des lampes, mais j'ai pas envie de les utiliser. Elle est pas fatiguée. Après, aiguiser, tout est au maximum. Ah oui, non, on a utilisé le couteau pour l'aiguiser. Un peu. Juste un tout petit peu. On a augmenté la compétence. Donc maintenant on fait 5%. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, 5% maximum. Avant c'était 4. Donc c'est déjà ça. Mais il nous faudrait... C'est à 95. Il nous faudrait plus de pierres. Je vais en trouver plus. C'est pour ça que je vais aller dans des nouvelles zones. Mais encore une fois, seulement quand on aura le... le sac. Ah, très bien.
Et dans un sens, vous pouvez détruire une flèche, créer une flèche, détruire une flèche, créer une flèche. Et ça vous fait monter, en fait, l'expérience. Je viens juste d'y penser. Ça vous fait monter l'expérience. Par contre, moi, à chaque fois, bah, ça coûte un fût, mais bon, les fûts de flèche... Après, ça dépend... Ça dépend un peu de la chance des apparitions des bois, mais... C'est pas extrêmement dur à trouver non plus. Bon, ça va être un épisode tranquille, on fait pas grand chose maintenant. On va ressortir, on va voir si on peut pas casser encore un petit bout de bois, vite fait. On va finir le... On va finir le deuxième pantalon, tranquille. Là, il y a du vent. Je sais pas si on va pouvoir casser ça sans problème. Peut-être là, on est à l'abri là. Ah, ça passe, ça passe. Hop là. Bien, hein, cool. Voilà, très bien. On va rentrer. Il manque encore, je crois, une heure à peu près. Peut-être un peu moins d'une heure. Ouais, un peu moins d'une heure, je dirais. Ah oui, les fagoteurs, on n'en a plus besoin, c'est vrai. On va les déposer par terre. J'arrête pas de rentrer, de sortir, mais... Après, on va faire. Jesus, it's cold. Tac, tac. Et si on détruit les igloos qui sont complètement détruits, enfin on les démantèle, on peut les démanteler. Ben on récupère rien, ça c'est un peu bête. J'aurais bien voulu récupérer peut-être à la limite un morceau de bois quoi. Mais non. Non. On va pas voir. Est-ce qu'on aurait... Non, on a des pansements. On pourrait faire des pansements. Maintenant, on a déjà 3. Donc, ça sert à rien. Aiguiser, non, ça sert à rien. Réparer, c'est à 95%. On a déjà réparé, ça sert à rien. Bon, bah... Ouais, on va faire ça. Voilà. Ouais, c'est bientôt la journée, ça va, on va pouvoir crafter. On va crafter notre pantalon. Et après on fera... flèche. Hop, le kit de couture va céder. Il y a 2%. On va en prendre un autre. Ah, très bien, il a cassé. On a beaucoup de... Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6... Encore 6, je crois, à 100% de kits de couture. C'est un peu étonnant d'en avoir trouvé autant. Là. Ah oui, c'est vrai qu'on était parti... On était parti aussi en enfer là. On avait trouvé pas mal, on avait trouvé 2. Puis après au barrage tout ça on a dû en trouver encore. Donc c'est bien. On va rester dans positif en calories. Comme j'ai dit, on va rester positif pendant un petit moment pour éviter de trop perdre de vie. Parce que je voudrais récupérer pas mal de vie quand même. Une fois qu'on sera dans les 50%, je repartirai à économiser. Mais pour le moment... Pour le moment, on en profite. Voilà, on va pouvoir le finir avant la fin. J'ai peur quel est le mal de l'enfermement. Ça va faire beaucoup, là. J'espère qu'on peut emporter 2. Ça m'étonnerait qu'on puisse pas. Ça va, là, pas le mal de l'enfermement. Tada! Très bien, on va poser l'autre en dessous.
On a perdu encore plus d'endurance, ça tue. Yay. Yay, trop bien. Hop. Tada. Je sprint, c'est pas pour rendre malade. C'est seulement pour la fatiguer. Parce qu'il va faire jour, nuit, elle sera encore en pleine forme. Du coup, en craft, elle se fatigue pas vraiment. On va faire maintenant les flèches. Qu'est-ce qu'il nous faut, les flèches? Ah oui, les fûts. On a encore 9 fûts. On a encore des bois hein, pour faire du des fûts et... on peut en faire deux. Des fûts et encore un arc. Enfin, encore 3 arcs. On a encore 3, on peut faire. Donc, c'est vraiment... on est vraiment tranquille aussi hein, de ce côté-là. De flèches, très bien. On pourrait détruire celle-là. I'm starving. On pourrait détruire celle-là. Enfin, il va faire nuit. Ça, c'est pour faire un fût ou pas? Je me rappelle plus. C'est quoi à chaque fois? Fût de flèche et boulot. On va le prendre avec nous, on va reprendre de la nourriture. Oui, ça serait pas mal. On pourrait... Dans un sens, oui, j'ai bien envie de faire le coup du... casser la flèche et la réutiliser, mais bon... Pff, quoi, ouais, non, ça serait un peu bête quand même. On peut faire le fût avant de dormir. Voilà. Ça nous fait des fûts en plus. Voilà. Il nous en reste 10 de côté. On a posé 5 flèches. On a posé 5 flèches sur le, comment on appelle, le comptoir. On a encore 14 pointes. 10 fûts. Du coup, oui, c'est surtout les fûts en fait qu'on utilise. Par contre, on n'a plus de plumes. Enfin, on n'a qu'une seule. On va trouver les plumes. On va trouver encore des plumes. Il y a des carcasses que j'ai laissées. C'est des carcasses de cerf. Bon, j'ai pris toute la viande et bon, les peaux là pour faire le deuxième pantalon. Mais on peut y faire un tour. On peut y faire un tour juste pour voir si s'il y a des plumes. C'est là-bas. Il fait pas froid en plus. 4. Oui, ça la fatiguera comme ça. Par contre, niveau endurance, c'est fini quoi. Enfin, on peut vraiment pas sprinter quoi. Mais bon, on n'a pas vraiment trop besoin de sprinter. Ça peut nous sauver la vie. Nous sauver la vie. Peut-être que ça fait trop longtemps après que je les ai laissés parce que j'avais enlevé quasiment toute la viande, je crois. J'ai dû peut-être les 5 kilos de viande. Plus la peau, donc c'est possible qu'il n'y ait plus rien en fait. Bah, déjà, il n'y a pas de. Ouais, non, je crois les carcasses sont plus là. Ça, c'est les feux qu'on avait laissés. Ouais, ça, c'est les feux. Il y avait une carcasse ici et une carcasse là-bas. Mais je crois que c'est mort. Ouais, non, il n'y a pas de plume. Enfin, il n'y a pas de plume, mais il n'y a pas de carcasse aussi. Il y a des lapins là, normalement. On a toujours les collés sur nous. De l'eau. Hein. Un lapin. On pourrait monter aussi la corde. Ça va nous aider. J'ai pas envie de viser et coller honnêtement.
j'ai envie d'utiliser les flèches, mais... Ah bon, c'est pas grave. Oh, on n'a pas d'eau sur nous. J'ai pas vu. Je sais pas trop comment il faudrait les placer. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait, oui, j'ai envie d'utiliser les flèches. Enfin, après, on est bientôt au niveau 5, donc comme j'ai dit, le coup de tirer sur les lapins avec les flèches, c'était vraiment pour un peu forcer la montée de niveau, pour aller un peu plus vite. Mais là, ça y est, enfin, on est au niveau 4. Le niveau 5, je crois qu'il va peut-être pas nous donner énormément, à part le fait de pouvoir tirer en fait pendant qu'on est accroupi. Donc ça, c'est vraiment top, parce qu'on va pouvoir s'approcher des cerfs. Ou alors ne pas se faire détecter par les loups et directement leur mettre des flèches. Ça j'ai envie de le détruire par contre. D'abord faire ça. Hop là, décomposer. Décomposer, c'est moche. Ah, on pourrait casser du bois, merde. Ça, il fait tellement pas froid. Pas grave. C'est pas grave. On est en train de la fatiguer, c'est bien. Mais oui, je pense que voilà, le tir accroupi est peut-être un 20% de dégâts sur les flèches au lieu d'un 10. Peut-être. Je suis pas sûr. Parce que là, les flèches sont devenues extrêmement puissantes déjà. Vous avez vu que l'élan, on lui a mis une flèche, il est mort. Alors, je suspecte que la flèche soit un critique. Je pense quasiment sûr qu'en en fait, on a eu un critique. On a eu un coup critique sur sa tête. Donc, beaucoup de dégâts. Ça. Je regarde s'il n'y a pas bois à casser. Là, on va dormir. À dormir, garder le. Récupérer le plus de vie possible. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va s'arrêter là. Enfin, pas s'arrêter direct maintenant, mais on va arriver à la fin de l'épisode. Comme j'ai dit, là, l'épisode... Oh merde, j'ai pas pris d'eau. C'est un peu l'épisode, voilà. Ça va être... on s'est... Attendez, je suis où, okay. On s'est remis à 9. On est rentré, on a notre peau, mais voilà, il faut attendre des jours. Donc... voilà, c'est pas super. Merde. C'est pas méga intéressant. Ah, aurore boréale. Intéressant. Intéressant. Voilà. Et une fois qu'on aura le sac, on repartira, comme j'ai dit encore une fois. On repartira en aventure, ça va être fun. Donc je pense que je vais le montrer après sur le sur la map. Ah, très bien. Je vais peut-être aller voir aussi, entre temps, comment on y va. Donc ça serait donc aller à Muskegmorn, passer les rails là, enfin continuer les rails, jusqu'à aller à la voie ferrée détruite. Et là donc il y aura la forge. Enfin il y aura pas mal de choses à regarder, à vérifier, tout ça. Donc ça va être cool. Et du coup, depuis qu'ils ont rajouté Milton, la voie ferrée détruite est connectée à Milton. Avant c'était complètement un cul-de-sac en fait, pour revenir bah, il fallait repasser par Muskegmorn, ça menait nulle part. Mais maintenant, ça va à Milton.
Et après de Milton, on peut aller au lac Mystère, etc. Ça fait un cercle. C'est un peu comme la crique lugubre, en fait, c'est pareil. Faudrait voir comment on va exactement à Milton, parce que je connais pas le chemin. Et je pense qu'avec notre équipement, on peut s'aventurer là-bas sans trop de problèmes, honnêtement. Donc, oui, pourquoi pas y aller, quoi. Attends, merde. Maintenant, merde. 26. On a nos vêtements qui sont prêts. Il faut juste attendre le sac. Il y a ça qu'on peut rafistoler. Ouais, le reste, pas grand chose. Je sais pas. On va peut-être s'arrêter là. Si j'ai rien à faire en fait. J'ai vraiment rien à faire à part attendre que la peau sèche et que on reste dans le positif en vie. J'ai pas grand chose. On a le loup qu'il faudra attaquer. Mais j'ai pas trop envie de me balader parce que sinon on va perdre de la vie. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On va courir, comme ça elle pourra dormir et sauvegarder. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va pas revenir aussi à l'élan pour récupérer la viande. On a déjà tout ça. À la limite, on pourrait... Quand on y retournera... Je sais pas. Non, ça sert à rien. Je voudrais bien quand même passer... Je vais être honnête, avant de partir, je voudrais bien passer cuisine niveau 5. Mais... Ça risque de prendre un moment. Donc, je pense qu'on va aller pêcher. Mais j'ai pas assez de feu. Quoique, maintenant, peut-être qu'on n'a pas besoin de feu. Parce qu'on a tellement des bons vêtements. Alors, c'est peut-être pas tous les jours. Mais ce qu'on va faire, ce serait... on y va, donc, équipé avec nos vêtements. On prend le sac de couchage. Ah, on l'a toujours sur nous, en plus. Alors, on va le réparer. On prend le sac de couchage et on dort pour se réchauffer. Et on a combien de tissus? 12. Et après, du coup, on pêche. Vous voyez, on se réchauffe. En fait, on a froid quand on pêche, mais on se réchauffe après quand on dort là-bas. Ça peut être une solution. Et du coup, récupérer... Attendez, allez... C'est bien 10 jours, en vrai, c'est 10 jours. Et après, récupérer du... Ah merde, j'ai pas pris les kits de pêche. Récupérer du poisson, ça nous permet de... d'avoir pas mal de choses... pour cuire. Vous voyez, c'est juste prendre, en fait, du matériel pour cuire. Bon, après, il y a toujours les loups qui traînent aux alentours, mais... Histoire d'être multitask. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Histoire d'être bon partout. Parce que c'est vrai que quand on a commencé à pêcher, vous vous rappelez, dans la zone de l'enfer, là, on a pêché, on n'a rien récupéré. Enfin, si, on avait trois poissons en une nuit entière, là, 20, je sais pas, 15 heures de pêche. C'était... C'était assez comique, honnêtement. Après, j'avoue que le tout premier poisson qu'on a pêché, depuis qu'on a commencé notre survie, le truc était à 1600 calories. C'est pas un poisson de merde, quoi. C'est pas un petit poisson rouge, quoi. Donc ça, c'était assez drôle. Après, j'imagine que la pêche, si vous êtes au niveau max, je sais pas ce que ça fait exactement être au niveau max. Par curiosité, je crois que je vais aller voir. Genre, vous devriez récupérer genre 3-4 poissons par heure, peut-être. Ce serait énorme. Je vais voir combien il fait à l'intérieur d'une maison. Aussi, ce que je vais aller faire, c'est peut-être aller là-bas, aux maisons là sur le côté, pour aller récupérer du bois. Je vais voir un peu combien à l'intérieur.
Ah, il fait quand même 16 degrés, donc du coup... Enfin, moins 16, ouais. Ouais, c'est pas top. J'ai pas trop envie de perdre de la vie bêtement là. Y'a pas de plume. J'ai pas l'impression. Oh, y'a des cerfs. Pas mal, pas mal. Enfin, y'a un cerf. J'ai pas un cerf. Non, deux cerfs, deux cerfs. Peut-être un troisième quelque part du coup. Ça peut être intéressant de les chasser au lieu de pêcher du coup. Comme j'ai dit encore une fois, la pêche est compliquée. En intrus, c'est vraiment très très compliqué. C'est un peu triste en fait, il n'y a vraiment aucun moyen à part faire du feu, je vois pas trop comment pêcher hein, enfin, pendant un long moment. On va le faire à la main. Récupérer ça. La chaise pareil. Je pense qu'on a assez de vie maintenant. Donc, ouais, on n'a pas besoin de manger, ça va. On n'a pas besoin de manger. On va voir le temps qu'il fait. J'ai froid quand même. Fait quand même froid. Ah, on a une grotte là. On a une grotte. On va aller voir. C'est pas un cadavre ça? Ou c'est des cailloux? C'est des cailloux, je crois. Ce qui est marrant dans le jeu. Yeah, il fait chaud. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est que quand vous voyez une grotte, dans la plupart du temps, dans la plupart des jeux, dans les grottes, il y a des loups, des ours, quelque chose, quoi. Là, dans ce jeu, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais de bestioles. Très, très étrange, quand on y pense. Alors, pourquoi un peu... Trois cerfs. Ah, pourquoi tu vas là-bas? On va voir si on peut lui faire peur. Non, on va pas le faire. Non, vous allez là. Vous faites chier. Vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est une blague? Bon, là c'est pas mal ça à l'abri. Là il y a une corde aussi, je sais pas à quoi, où ça mène. Je sais pas du tout où ça mène cette corde. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Si je le tue, on va pas pouvoir récupérer sa viande s'il fait froid. Oh là là, c'est compliqué tout ça. je sais pas ce que je suis en train de faire, ok? Je sais pas. On rentre à la maison, on va s'arrêter là. Parce que là, je commence à tourner en rond, j'ai rien à faire. À part trouver du bois. Voilà. Donc on va rentrer, on va dormir. Et on va mettre fin à cet épisode et comme j'ai dit donc ça fera une ellipse, on aura notre sac
Et quand on aura notre sac, on partira à l'aventure. Donc voilà, ce sera tranquille. Ce sera bien tranquille. Je vais regarder aussi peut-être où ça mène cette corne, si jamais ça vaut le coup de d'y aller, de voir un peu ce qu'il y a. Il faut sortir. Enfin, faut rentrer plutôt. Faut sortir de ce froid, voilà. Et voilà, on est un super soldat maintenant, dans le froid. Un super survivant. On retournera voir les loups gris à un moment ou à un autre aussi. Maintenant, je serais quand même bien content de pouvoir utiliser un revolver ou un fusil. À la limite, le revolver serait vraiment cool. Même si ça serait jamais... Honnêtement, ça serait jamais notre arme principale pour chasser et tout ça, ou pour, même pour nous défendre. Parce que je crois qu'on fera toujours plus de dégâts avec les flèches, maintenant qu'on est très haut niveau. Mais ça peut être fun, ça peut être fun. Aussi, on mange plus de viande de loup et tout ça, j'ai pas envie d'être malade. J'ai vraiment pas envie d'être malade, on le fera plus tant qu'on est... Enfin ça, je l'avais déjà dit. Tant qu'on n'est pas niveau max en cuisine. Ah, il nous faudrait un livre. Honnêtement, je serais tellement content de trouver un livre. Parce que maintenant, c'est vrai que... Excusez-moi. C'est vrai que ça prend du temps à monter de niveau. Ça prend pas mal de temps... Là, on a un livre en plus à 10 heures, mais ça, c'est pour les carcasses. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, dépecer vos proies. Il reste combien de temps encore? 4 heures à faire. Là, ça va vraiment nous mettre quasiment au maximum. Je sais pas exactement ce que ça... Ce que c'est pas utile. Je pense pas que ce soit vraiment utile, mais... Ouais, c'était juste pour avoir le livre, quoi. Mais je vais être honnête, je pense pas que ça soit extrêmement utile. Il est quelle heure? On peut peut-être dormir, on peut peut-être lire. Comme ça on finit le livre. Ah oh, putain, j'ai soif. Ça a tout gâché, je crois. Poser. Je pense que je vais avoir le mal de l'enfermement. Je pense que je vais l'avoir maintenant. Sinon il reste plus rien sans la vue. Il y a la fabrication de munitions. Sans la vue. Il y a le revolver. Et après, on a deux pour le fusil. 4 heures. Et puis voilà. La pêche, on l'a fait. On n'a pas d'autres livres, ça on l'a fait. Le feu, on l'a fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Et là, on est bientôt au niveau 5. Très bien. Vraiment cool, vraiment cool. Qualité de mission fabriquée, 20%, 50%, je récupère les composants de munitions. Intéressant, arme à feu revolver, compétence de base, essence de base. Pêcheur à glace. Blizzard enduré. Ouais, bon, on va s'arrêter là, enfin, parce que là, je tourne un peu. En tout cas, merci d'avoir regardé. Donc, on va déposer... Bah, les kits de pêche, je vais les garder si jamais je pêche. Mais voilà, on va manger encore un peu, parce que je vais pas pouvoir dormir sinon. Enfin, pas trop.
Un blizzard tout pourri. Un peu. Seulement moins 19, peut-être moins 20. Moins 20. Vous voyez, température ambiante 32 en fait. C'est parce qu'il y a le vent et on a, comme j'ai dit, on a des super vêtements. Donc ça aide énormément. Vous voyez que ça 1% d'humidité alors que les autres sont déjà à 4%, 6%. C'est vraiment pratique hein, d'avoir ces vêtements-là. Vraiment, vraiment pratique. Ça va vraiment nous aider. Bon, bah du coup, on n'a plus de livres à lire. C'est un peu triste. Alors, on va dormir 12 heures. Je vais me réveiller la nuit, c'est pas grave, mais j'aurai toute ma vie. C'est bien, fait quasiment toute ma vie sur l'an. Et voilà, on passera les jours, on attendra que la peau se sèche, on fera notre sac et on reprendra quand j'aurai le sac et quand on sera prêt à partir. Et à partir pour l'aventure du coup. Cool. À la prochaine, merci infiniment encore de suivre cette série. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, passez une très bonne journée. Ciao ciao.